Il y a des gens, ils sont en train de dire, ouais, le jeu il est pas trop lent, ouais, le jeu est trop facile, les batailles de boss sont trop faciles, etc., etc. Vous avez pas essayé mode spectaculaire. Chaque boss m'a pris au minimum 15 tentatives. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez tous extrêmement bien et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo dans laquelle on se retrouve pour parler de Marvel Spider-Man 2 d'une façon 100% sans spoiler. Pour ceux et celles qui ont déjà fait le jeu, je vous ai déjà proposé une vidéo avec spoiler qui est déjà disponible sur la chaîne, tu peux cliquer ici pour aller la regarder. Et pour ceux et celles qui n'ont toujours pas fait le jeu, pour ceux et celles qui sont toujours un peu réticents, qui ne savent pas s'ils doivent l'acheter ou pas, s'ils doivent attendre ou pas, cette vidéo est faite pour vous donner envie ou pas de jouer au jeu, pour la simple et bonne raison que il y en a qui n'ont pas forcément les moyens nécessaires, qu'il y en a qui veulent attendre ou un truc dans le genre, qui ne sont pas archi chauds. Je suis là pour vous donner mon avis d'une façon 100% objective et d'une façon 100% sans spoiler. Du coup, tu peux rester sur cette vidéo et à la fin de la vidéo, tu vas pouvoir te faire un avis concernant le jeu en général et si tu veux y jouer ou pas. Pour vous la faire simple en fait, ce jeu est un jeu auquel tu t'y attendrais jamais. Dans le sens où, un jour avant d'avoir joué au jeu, si on te pitch toute l'histoire du jeu, tu vas jamais croire la personne qui t'a pitché l'histoire. Dans le sens où, à chaque fois qu'il y en a plus, il y en a encore et même bien. À chaque fois que tu te dis que c'est la dernière dinguerie qu'ils allaient faire, ils en font une bien pire et bien plus grosse. Et dans le sens positif, bien évidemment. Ce jeu, en fait, c'est un enchaînement de trucs inattendus et un enchaînement de liberté incroyable. Un jour, Insomniac se sont réveillés, ils se sont dit, venez, toutes les idées qui vous viennent en tête, qui ont rapport avec l'univers de Spider-Man dans les comics, vous nous les donnez, on les met dans le jeu. C'est aussi simple que ça. Le jeu a pris des libertés artistiques et scénaristiques que tu ne peux même pas imaginer dans tes rêves les plus fous, à part dans les comics. C'est le genre de jeu que tu n'aurais jamais pu imaginer en un film. C'est le genre de jeu qui ne pourront jamais faire en film tellement ils ont peur des réactions, tellement ils ont peur de sortir de leur zone de confort. Dans ce jeu, ils sont tout simplement sortis de leur zone de confort, ils ont inventé une histoire digne de son nom, ils ont adapté des personnages, ils ont inventé des trucs, ils ont ramené des trucs que tu n'aurais jamais imaginé voir dans un jeu PS5, parce que à l'époque des jeux PS2 et tout, ils pouvaient prendre des libertés parce qu'ils s'en foutaient. À chaque fois que tu voyais du n'importe quoi, des trucs qui sortent de nulle part, des méchants que tu pouvais même pas connaître, à part dans les comics et tout, c'était normal parce qu'il y avait un jeu qui sortait chaque 2-3 mois. Mais là, pour le coup, ils ont pris un risque incroyable parce qu'ils ont vraiment fait des trucs de dingue. À chaque fois, par exemple, personnellement, je me suis basé sur le premier jeu avec le Docteur Octopus, peut-être la mort de May et tout, je me suis dit, ok, 2-3 révélations. Mais avec ce jeu, à chaque fois que je me dis, à chaque fois qu'il y a un truc, je me dis, ok, c'est la première révélation, il reste une seule et c'est bon. Mais il y en avait des centaines de millions de milliards. À chaque fois que tu te dis, c'est bon, ils peuvent pas faire mieux, à chaque fois que tu te dis, ok, on peut pas aller plus loin, les mecs, ils vont encore bien plus loin. Tout ceci, bien évidemment, en termes de gameplay, mais surtout, 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 en termes de scénario et de choses que tu peux pas imaginer voir dans un jeu vidéo basique. Parce que dis-toi que tout ce que tu as vu dans les bandes annonces, tout ce que tu as vu dans la communication et tout, c'est même pas, je dis bien même pas, 20% du jeu. Il reste toute la partie immergée d'iceberg que tu as même pas vu et que tu peux même pas imaginer. Genre même avant de dormir, tu te poses, tu vas réfléchir un peu au scénario, qu'est-ce qui peut se passer, qu'est-ce qui peut pas se passer. Tu pourras jamais imaginer tout ce qui s'est passé dans le jeu. Déjà ça, c'est le premier point. L'histoire, mesdames, messieurs, est une histoire, je vais pas vous dire inédite à 100%, mais une histoire que tu aurais jamais imaginé voir dans un jeu en 2023. Genre une histoire que tu n'aurais jamais imaginé voir tout court pour la simple et bonne raison que les studios ont peur de sortir de leur zone de confort. C'est pas du super-héroïque basique en mode voilà, méchant, nanani, nanana, on le bat et c'est fini. Ce genre d'histoire en fait, si tu le fais en film, ça va cartonner, mais personne ne voudra le faire et personne n'osera le faire pour la simple et bonne raison qu'ils vont sortir de leur zone de confort et que ça ressemble à, en aucun cas à ce qui a été fait ces dernières années ou à ce qui a été fait de toute l'histoire de tous les temps. Quand tu joues au jeu, tu vas limite te dire que c'est un fan-made et que c'est un jeu en fait qui est fait avec des fans, pour les fans. Et franchement, un très gros big up à Insomniac Games d'avoir proposé ce genre de choses. En termes de gameplay, quand tu vois les bandes annonces, tu vas te dire « Ouais, ça n'a pas forcément beaucoup très peu évolué, notamment concernant les combats ou tout simplement le balancement ou la façon de bouger dans la ville. » Alors oui, quand tu vois les gameplays, c'est comme ça. Et même quand tu vois une personne jouer à Marvel Spider-Man 2, c'est comme ça. Mais une fois manette en main et que tu as joué au précédent jeu, tu vas te rendre compte que la différence est très clairement flagrante et qu'il y a vraiment beaucoup, mais genre vraiment beaucoup de nouveautés. Et notamment concernant le gameplay du symbiote qui est archi jouissif. Le gameplay du symbiote, tu sens un pouvoir incroyable entre les mains. Quand tu joues
au jeu avec le symbiote, c'est incroyable. Tous les points négatifs des premiers jeux ont été améliorés, et notamment concernant les gameplays des personnages, notamment concernant les gameplays de MJ, etc., etc. Ils ont vraiment évolué le tout en mieux, et encore une fois, ils sont sortis de leur zone de confort pour proposer des trucs bien meilleurs, mais qui sont aussi fidèles au tout premier jeu. Et pour le coup aussi, un gros big up à eux. En ce qui concerne l'histoire du jeu en général, elle est touchante, le développement des personnages est incroyable, le temps du jeu est incroyable. Il y a en quelque sorte deux parties dans le jeu. Première partie, post-symbiote, avant symbiote plutôt. Deuxième partie, post-symbiote. T'as l'impression de jouer à deux jeux totalement différents, tellement c'est du grand n'importe quoi, tellement le jeu a pris des dimensions énormes, a pris des enjeux énormes en un rien de temps, et encore une fois des enjeux que tu n'aurais jamais imaginé en 2023. Peut-être à l'époque de la PS2, peut-être que tu peux imaginer ça parce que ça fait pas réaliste, mais là en 2023, next gen, etc., des trucs réalistes, impossible que tu puisses imaginer ce genre de choses dans un jeu qui est sorti en 2023. L'histoire est incroyable, le développement des personnages est incroyable, le développement de Peter avec le symbiote est incroyable. On a très clairement entre les mains la meilleure adaptation d'un symbiote, du moins du Peter avec le symbiote, et très clairement la meilleure adaptation qu'on ait jamais eue d'un Spider-Man. Et je pèse mes mots, la meilleure adaptation de Spider-Man à ce jour. Du coup oui, si tu n'as toujours pas joué au jeu, fonce jouer au jeu. Le jeu en vaut très clairement son argent. Alors, vous allez voir qu'il y a des gens qui vont dire « Ouais, le jeu est pas trop lent, ouais, le jeu est très rapide, ouais, le jeu est trop facile. » Je vous conseille, si vous avez joué au précédent jeu, de le faire en spectaculaire ou limite juste un peu moins que spectaculaire. Parce que dites-vous que la difficulté spectaculaire, un coup de poing, c'est 50% d'HP et un tiers de balle, tu crèves quasiment. Pour vous dire à quel point c'est difficile, personnellement je l'ai fait en spectaculaire. Les boss, j'ai galéré, genre c'était des 15 tentatives contre un boss pour gagner et tout. C'était vraiment hardcore, c'était vraiment très 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 difficile. Et ça m'a permis de rallonger mon expérience de jeu en général. Je n'ai pas fait histoire après histoire après histoire après histoire. Et c'est ce que je vous conseille de faire pour la seule et bonne raison en fait. Que quand tu fais histoire après histoire après histoire, tu vas terminer le jeu en 2 heures, surtout si tu veux 8 heures par jour, un truc dans le genre, tu vas terminer le jeu en 2 jours et ça va plus être rapide. Personnellement, j'ai pris mon temps, j'ai bien rentabilisé les 80 balles, je me suis baladé quasiment 5 heures par jour, j'ai pris des photos, je me suis amusé, j'ai fait des mini-jeux, j'ai visité, j'ai essayé des trucs, j'ai fait vraiment beaucoup de choses entre histoire et histoire. C'est-à-dire que dès que tu as une histoire, tu vas pas directement vers l'histoire. Tu prends ton temps, tu fais des quêtes parallèles, tu essayes de t'amuser, tu te balances, tu prends des photos parce que le mode photo est bien plus amélioré, les costumes sont bien plus améliorés, etc., etc. Du coup, c'est ce que je vous conseille de faire. Tout ceci pour dire, mesdames et messieurs, que le jeu en vaut très clairement la peine, que ça soit le fait qu'il en ait pour son argent, que ça soit l'histoire, que ça soit les personnages, que ça soit le gameplay, c'est un 10 sur 10 et je pèse mes mots. Et pour ceux et celles qui ont regardé la vidéo et qui ont joué au jeu, donnez-moi vos avis dans les commentaires comme ça. Pour ceux et celles qui n'ont pas joué, allez dans les commentaires, vous allez avoir des avis encore plus que les miens. Du coup, ceux et celles qui ont joué au jeu, donnez vos avis dans les commentaires comme ça, tous ceux et celles qui n'ont pas joué auront des avis en plus. Voilà. Et pour ceux et celles qui n'ont toujours pas joué au jeu et que j'aurais peut-être motivé ou pas à regarder ou du moins à jouer, allez. Donnez-moi votre avis en bas dans les commentaires, jouez au jeu et j'attends vos avis. Bref, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'activer les notifications en cliquant juste ici. Tu peux regarder une autre vidéo en cliquant juste là. Sur ce, moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était la Miat, portez-vous bien.